Cette paracha magnifique de Vaishlach, c'est une paracha que, en vérité, on peut étudier. Je crois que de chaque passouk, on peut en faire un cours entier de conscience. C'est une paracha qui dévoile la force et la faiblesse de la conscience de l'être humain. Comment Yaakov Avinu est à la fois Yaakov, qui est le talon, et à la fois Israël, qui est Sarita, qui est le ministre céleste. C'est un degré très très élevé. Et on voit aussi que Yaakov a eu peur de la peur. Ça veut dire quoi, il a eu peur de la peur? Yaakov Avinu ne sait pas vraiment si Esav existe. Il ne sait pas vraiment que si Esav existe, qu'est-ce qu'il veut chez lui? Parce qu'il y a 22 ans qui sont passés. Ils ont à peu près les jumeaux maintenant. 84, il est arrivé. Après, il était esclave 22 ans. Ça nous donne 106 ans. On a deux jumeaux à l'âge de 106 ans. Et qu'est-ce qu'ils cherchent? Rien du tout. Et là, on peut étudier, vous allez voir dans les psukim, qu'en effet, l'être humain crée sa vérité. C'est quoi créer sa vérité? C'est qu'on, c'est nous qui créons l'enveloppe qui nous entoure, qui est le reflet, on va dire, déformé de la réalité. Comme des lunettes. Chacun de nous, on peut porter les lunettes qu'on veut, voir ou pas voir. J'étais chez l'opticien, il m'a dit, « Ah, t'as besoin de lunettes, toi. » Je dis, « Pourquoi ?» Il dit, « Voir de loin. » Je lui ai dit, « Je veux pas voir de loin. » De près, je sais lire, il m'a dit, « Oui. » Il m'a dit, « Non, t'es obligé de lunettes. » Je lui ai dit, « Y a pas de problème. » Ma femme m'a dit, « Prends les lunettes, prends les lunettes. » Je lui ai dit, « Tu veux que je voie de loin ?» Jusqu'à quand je suis arrivé de ne plus voir de loin, c'est pas bien. On a fait les lunettes, Mazal Tov. Ils sont où? Ils sont où? Je sais pas où ils sont. Surtout pas sur mes yeux. J'ai dit, Rabbanit, je peux lire. Vaishlach Yaakov, Lachim Lefanav, Elesav, Achim, Arza, Seir. Ça suffit, qu'est-ce que j'ai besoin encore? Ça y est, j'étais jeune, j'ai vu. J'ai compris que. Il n'y a rien à voir. Si! Le monde est très joli, mon Rachem. Dieu a créé un monde magnifique, ma croix. Mais ça y est, elle avait 16 ans, c'était bien. Maintenant, on est grand-père. C'est... Alors, ce qui se passe, quelle est la vérité? C'est que l'être humain déforme, d'après la sensibilité de son cerveau, de son cœur, la réalité en face de lui. Quand on étudie la moralité, on sait que le degré le plus élevé de la moralité, c'est transformer un ennemi en ami. Tout ça, c'est quoi? Quand on étudie aussi, juste une parenthèse, les arts martiaux, la vérité des arts martiaux est quoi? Ne pas utiliser la force. La force est ne pas utiliser la force. Ça s'appelle, quand on étudie les sciences élevées de lumière, ça s'appelle polarité. On veut prendre, chacun de nous, on a du bien et du mal, c'est la vie, et on veut prendre, quand une personne est par exemple malade, ou fatiguée, ou énervée, ou en colère, ça veut dire que sa polarité a changé. On veut prendre le négatif, et non pas l'annuler, parce que si on coupe la tête d'une personne en deux, elle est morte, la pauvre. Alors qu'est-ce qu'on fait? On change. Ça s'appelle changer de sens. On change le sens. Le sens où? Le sens dans le reflet de ma conscience. Comment est-ce que je te dis? Chacun de nous, on va voir dans les psukim bientôt, Shmot, chacun de nous est par O. On est Pharaon derrière, Oref. Et on est Yosef et Moshe. Moshe, c'est quoi? Panim el Panim. Moshe veut dire le visage. Pharaon veut dire la nuque. Qu'est-ce qu'il y a entre eux? Il est écrit dans le passage que l'Aria Kadosh dit, Anich badeti et lev paro, ani Hashem.
c'est moi, Akadosh Baruch Hu, qui a créé toujours les polarités. J'ai créé Pharaon qui est la nuque, et j'ai créé Moshe Rabbeinu qui est le visage. Mais en effet, ce sont deux forces qui sont les mêmes. Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a fait? Comme il est écrit qu'au début, il a tué, il a tué l'Égyptien, et après il était le roi de Kouch, de l'Afrique, et après il était 40 ans chez Yitro, il était 10 ans dans un puits, et après il est sorti à 80 ans, il est sorti pour aller sauver le peuple d'Israël. Mais au début, Moshe Rabbeinu, c'est quelqu'un de gentil ou pas? Non? Il a tué. Il a fait la guerre. Mais son essence, elle est gentille. Le début de Moshe Rabbeinu, c'est quoi? C'est pour ça que la Torah dit, c'est quoi la vraie qualité de Moshe Rabbeinu? Qu'il était humble. Humilité. Pourquoi tu dis ça? C'était le roi des rois. C'était le prophète des prophètes. C'était le sage des sages. Il a plein de qualités. Pourquoi tu me dis humble? Parce que la Torah veut nous enseigner ce que Yaakov nous enseigne. J'ai été dans une polarité négative et j'ai réussi de transformer la polarité en positif. Le lendemain du message que Yaakov a reçu, qui va rencontrer son frère qui a 400 soldats avec lui, et en effet, son frère, il est écrit dans le Midrash, il ne savait même pas que Yaakov arrive, il est parti chasser comme il a l'habitude. Il était, c'est lui qui a fait 22 ans en kiboudorim avec Yitzhak. C'est pas Yaakov, c'est le frère et ça. Lui, il pensait pas du mal de son frère puisqu'il savait pas qu'il venait. Qui s'est préparé à une guerre? Il s'est préparé à donner des cadeaux. Et qui s'est rentré une phobie incroyable? Yaakov avait. Et quand je vous dis une phobie, c'est vrai. Plein de fois, Yaakov a eu peur de rien. Il a eu peur de Lavan. Lavan lui a dit, si tu veux, tu es mon frère, je te donne ce que tu veux. Quand il lui a dit, la semaine dernière, vous vous rappelez, quand il a dit, je te donne, il a dit, je veux pas, je te donne, je veux... À la fin, il lui a dit, je veux rien du tout. Alors, pourquoi tu as demandé? On voit que c'est des phobies. C'est Yaakov, c'est le seul patriarche qui nous montre la faiblesse et la force. C'est le seul qui est Yaakov, Israël. Vous comprenez? C'est un patriarche. Normalement, quand lui, il a perdu... Regardez comment c'est... Lui, il a perdu Yosef. Il est resté en vie. Yitzhak a perdu Yaakov. Il est resté en vie. Abraham a perdu Yitzhak. Il est resté en vie. Mais le seul qui a pleuré, qui s'est comporté comme un être humain, ni Abraham, ni Yitzhak, Yaakov seul. Il a pleuré sur son fils 22 ans. Il a dit, c'est pas possible qu'il est mort. Il avait raison ou pas? Pourquoi ce Yitzhak n'a pas écrit Vaitzhak, Vaifket, Yaakov, ben non, Esrim, Vishtaim, Shana. 22 ans. Yaakov était absent 22 ans. Pourquoi il n'a pas écrit une lettre? Yitzhak avait pitié. Vous savez qu'est-ce qu'il a écrit ici? Qu'il va rencontrer son père, il va l'enterrer. C'est la fin de la paracha. On ne voit pas que Yitzhak, mais chez Yaakov, Yaakov va errer de Mitzrayma. El Yosef, il est descendu en Égypte. Il savait que l'Égypte, c'était un endroit dangereux de sorcellerie, balagan entier. Non, malgré ça, il est descendu. Pour qui? Vaipol al-Tsavare, Beno, il est tombé sur son fils. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pleuré. Alors lui, c'est le patriarche humain. Moi, j'appelle Yaakov le patriarche humain. Pourquoi? Parce que c'est le vrai. Quand il avait besoin de mentir, il a menti. Quand il avait besoin de faire des manipulations, il les a fait. Quand il avait peur, eh bien il dit, oui, j'ai peur. Pourquoi tu as peur, Yaakov? Tu as 106 ans. De quoi tu as peur? Parce que quand on était jeune, j'ai triché. Et mon frère avait la haine contre moi, il a envoyé son fils me tuer. Eliphaz, c'était le fils de Esav, qui est venu tuer Yaakov. Yaakov lui a dit, prends l'argent, prends tout, ani chashuv kemet, celui qui est pauvre est comme un mort. Alors il a tout ramené à Esav, et ça a calmé Esav. Mais chez Yaakov, est-ce qu'il s'est calmé? Non. Il a toujours eu peur. Vous savez qu'est-ce qu'il est écrit dans la
Haftara, regardez dans Haftara, il est écrit. Il est écrit un grand secret. Il est écrit Vei Yaakov le'esh, Ve Yosef la'ava, ou Bet Esav le'kash. C'est-à-dire quoi? Que Yaakov, c'était du feu, mais c'était pas les flammes. Et il a fait naître un Yosef. Et quand Yosef, il a rencontré Esav, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas mis sa mère en avant. C'est Yosef qui s'est mis en avant. Il a caché sa mère, il lui a dit à Esav, imaginez-vous, Yosef, il a à peu près 6 ans, Esav, il a 106 ans. Qu'est-ce qu'il lui dit? Toi, tu ne vas pas mettre tes yeux sales sur ma mère. C'est ton oncle. Et il a dit, et si tu t'approches, je te brûle. Vous savez, c'est quoi Yosef? Yosef, c'est des flammes, il brûle, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'il a fait, ça? Aucune réponse de ça. Ils ont passé, le troupeau a passé. Donc, et ça, est-ce qu'il voulait ou il ne voulait pas? Regardez Rachel. Ça ne l'intéressait plus. Regardez à la fin de la paracha combien de femmes il a. Blainara, alouf, alouf, alouf. Plein de femmes. Est-ce qu'il a besoin de Rachel maintenant? Il a 106 ans. Mais Yosef est resté avec quoi? La phobie de son père. Et c'est pour ça que quand il s'approche de Esav, il cache sa maman. Qu'est-ce que tu caches? Aïta yafat toi. Mais ça y est, le temps fait son truc. Et Yaakov aussi, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie des anges. Vaishlach Yaakov malachim lefanav. C'est quoi ce mot lefanav? Le panav. Panav, c'est le visage. Il a créé une miroir devant lui de sa phobie. C'est le reflet. Et combien de fois dans la vie on crée le mal des gens qui sont pas mal? Vous savez, beaucoup de fois je fais du chambail. Et la dame ou le monsieur disent sur leur conjoint. Ouais. C'est un monstre. Je leur dis très bien. C'est un monstre? Oui. Si j'emmène ici sa mère, qu'est-ce qu'elle dit de lui maintenant? C'est un ange, mon fils, le pauvre, il est le meilleur du monde. Alors je leur dis, expliquez-moi, c'est le même être humain devant nous ou pas? Oui, sauf que les fanaves de sa mère, où il dit, et les fanaves de sa femme, le démon. Qu'est-ce qu'il est? Le démon ou l'ange? Comme nous tous. Vous savez, ma femme, des fois, elle dit aux gens, les dames comme ça, elle vient et dit, comme il est gentil, ton mari, quelle chance tu as. Elle leur répond, oui, bien sûr. Et l'autre côté, on essaie de travailler tous les côtés, mais on ne va pas dire qu'on est parfait. Si on est parfait, on meurt, on n'est pas là. Alors, on travaille des autres côtés. Mais ça, c'est les polarités. Qu'est-ce qu'on fait toute la journée? Du matin au soir, vous savez? On change. Les forces nous retournent et on comprend, parce qu'on a un reflet, que maintenant on est à l'envers. On se travaille pour redevenir à l'endroit. Est-ce qu'on a le droit de changer l'être humain? Non. L'être humain est une sphère et un monde entier. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire? D'influencer le vent pour que les polarités soient en place. Si Chas v'Shalom, le pôle Nord, aurait bougé 1 centimètre. Vous savez qu'est-ce qui serait passé dans le monde? On aurait été inondé d'eau et après glacé. 1 centimètre. Le pôle Nord. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tourner. Quand il fait trop chaud, il faut partir un peu en arrière du soleil. Et quand il fait un peu froid, il faut venir au soleil, c'est tout. Quand une personne est seule, sa polarité est négative et influençable. Mais quand une personne est en couple, sa polarité est positive grâce au couple, est très difficile d'influencer parce que toujours on retourne à la maison, on se remet en place parce qu'on retrouve le cadre. Mais quand on n'a pas de cadre, aujourd'hui c'est très facile, on a l'écran, on commence, tac, 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 on cherche. Au début on dit qu'on cherche quelque chose de très important, le travail. Le travail, tout d'un coup on a un spam qui vient. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux aller en vacances? Tu cliques juste pour voir un instant. Tu cliques. Il y a des photos, tu cliques les photos,
Tu cliques les photos, tu rentres dans des sphères de photos. Tu rentres dans les sphères de photos, les photos les plus vues, vous savez, c'est quoi. On rentre, hein, on dit non, juste un instant, juste. Ça m'intéresse quoi? J'ai pas encore vu. On clique à la haute robe. On se retrouve à 5h du matin. On s'est dit, j'ai pas dormi de la nuit. Et quel est le rapport à ce que j'ai commencé à chercher et ce que je suis maintenant? Ce que je vous dis maintenant, c'est un déroulement qui est la preuve de beaucoup de gens dans le monde qui disent, on a perdu la nuit. Et le matin, on doit aller travailler. 3 jours comme ça. Ça y est, la personne complètement. Et aujourd'hui, Baruch HaShem, ils sont en train de dévoiler que Facebook, que l'iPhone que vous avez, tout ce que vous dites est enregistré, tout est traduit en code binaire qui vont vous donner votre reflet de ce que vous avez dit. Et il y en a même qui disent, c'est un peu en avant de vous dire ça, mais il y en a qui disent qu'ils captent les neurones. Et la pensée de l'être humain a été déjà décodée. Et ils savent que si tu penses très fort à un certain envie, tu vas le recevoir en image. Et c'est pour ça que tu vas cliquer. Quoi ? On peut l'enlever. Si on peut. Comment on peut enlever l'iPhone, enlever les groupes, on fait partie des groupes pour information, on fait partie. Rabbani, tu vas vous expliquer. Moi, comment tu peux l'enlever aujourd'hui ? Moi, j'ai la chance, j'ai aucun appareil. Vous savez, quand on va au tribunal. C'est ça la vraie liberté. Et ils vous testent comme ça. Je leur dis. Je suis propre. Pourquoi ? J'ai aucun appareil. J'ai ni iPhone, ni phone, ni téléphone. D'accord. Silence. Attendez, il y a des gens qui vont vous dire, ce monsieur est complètement fou. Comment il vit sans connexion ? Vous avez le nom. Ma folie. Il y a un temps pour se connecter, il y a un temps pour... Bah oui. Oui, exactement. J'ai pas un smartphone, j'ai pas besoin. Ben voilà, moi aussi, j'ai pas. Je vais pas vous dire que je suis pas content que Baruch HaShem, il y a plus que 200 000 personnes qui vont regarder et étudier mes cours. Voilà. Je suis très content, mais voilà. Pourquoi ils regardent mes cours? Parce que moi, ma Torah, elle est, ou ma sagesse, elle est instruite de livres comme ça et d'êtres humains. Je rentre pas dans. C'est possible, c'est pas possible, c'est possible, c'est pas possible, on va c'est chercher. Va à droite, va à gauche, oui, et politique. Mais qu'est-ce que tu veux chez moi en politique? D'accord, mais nous, on a besoin de cet instrument. Non, j'ai pas dit que non, mais juste pour comprendre que l'instrument. Écoutez ce que dit la dame, c'est sage. L'instrument aujourd'hui reflète nos paroles, nos actions, ce qu'on écrit et ce qu'on pense aujourd'hui déjà. Ils ne le disent pas encore, mais ils ont dit déjà que les neurones vont être détectés et on va avoir du reflet de neurones. Je sais, il y a un livre qui a été traduit en hébreu, il s'appelle Atido Shel Hamoach, le futur du cerveau. Et là-bas, un certain auteur qui recherche, qui fait des recherches, tout ça, il explique que le cerveau aujourd'hui, c'est le membre dans le corps humain ou l'organe dans le corps humain qui est le plus travaillé et recherché. Ils ont raison. Ils veulent savoir ce qu'on pense. Pourquoi ? Pour être les maîtres de nos pensées. Oui, mais encore, on peut s'asseoir comme ça et étudier. Mais si, par exemple, je vais faire un spin dans Internet, je vais dire « Rav Schneider, c'est un monstre », hop, ça va être vite. Est-ce que quelqu'un a continué à lire ce qui est écrit en bas? Non. Et on continue la page, on dit « Ah bon, celui-là, tchik, négatif. Celui-là, il va faire positif. Celui-là, négatif. » Et on perd notre vie. C'est quoi la vie? La vie, c'est les contacts humains. Parce que seulement dans le contact humain, on a 5 sens devant 5 sens qui se parlent. Mais Yaakov Avinu, qu'est-ce qu'il a fait, vous savez? Il a eu un écran. Vaishlach Malachim, des lumières, devant lui. C'est exactement l'écran d'aujourd'hui. Lui, dans sa tête, dans son inconscient, il avait une phobie de son frère.
Il était sûr que son frère voulait le tuer. Son frère ne voulait pas le tuer. La preuve qu'il s'est approché de lui. Donc ils étaient contact, corps à corps. Il aurait pris un couteau, il lui aurait mis dans le ventre. C'est fini, qu'est-ce qu'il y a de... Oui, mais alors pourquoi que lui, il avait senti que son frère voulait le tuer, qu'il avait cette phobie-là? Parce que Yaakov a vu, non. Premièrement, dans le ventre, il a attrapé le talon. Ça veut dire qu'il voulait tuer son frère. Après, quand son frère il est venu fatigué, il lui a dit, signe-moi que tu me donnes la droite d'aînesse. Et après, quand il y a eu les brachot de Yitzhak, il a dit à sa mère, il va me maudire. Elle lui dit, t'inquiète pas, je prends sur moi. Je dis, Yaakov, avez-nous, qui t'a donné la permission de te vendre en esclave? Tu es le fils d'Avraham Yitzhak. Qu'est-ce que c'est ça? Tu te vends en esclave? On t'a pas envoyé là-bas pour être un esclave. Mais qu'est-ce qu'il dit, Yaakov? Si je veux être un esclave, comme l'esclave, il appartient à son maître. Maintenant, Esav ne veut plus me... Il n'a plus rien avec moi puisque j'ai été acheté par Laban. Mais on voit qu'il a été acheté 14 ans. Et après, il ne voulait plus être esclave. Alors, qu'est-ce que tu nous dis que j'ai un esclave? Ça, c'est l'être complexe. Et Yaakov, ce que j'aime, qui je suis, moi, rien du tout, mais ce qui est beau dans les parachutes de Yaakov, et aussi Yosef, vous allez voir que Yosef aussi, c'est une personnalité complètement complexe. Ce qui est beau, c'est qu'il nous montre le processus. Et quand l'être humain sait qu'il y a un processus de détourner les forces polaires, moi je pense que c'est un grand cadeau. C'est-à-dire? C'est-à-dire que Yaakov nous dit, je suis Yaakov. Voilà, regardez, j'ai des phobies, j'ai peur, je m'angoisse, je me prépare à une guerre. Tout ça est dans ma pensée. La preuve que quand il fait la guerre, avec qui il fait la guerre? Avec l'ange de Esav. Qu'est-ce que tu fais de là, mon frère? Va dormir. Toute la nuit, il fait la guerre. Avec qui tu fais la guerre? Oh! Et le matin, il se réveille. Vient son frère, lui dit, il court. Mon frère, je t'ai pas vu. Il a 106 ans, il court. Rate. Esav rate. Ah. Alors Yaakov, dis-moi, il te déteste, ton frère? Il est simple, Esav, c'est pas compliqué. Bon, ça y est, j'étais énervé avec toi, ça y est, ça passe. Esav, c'est l'abîme. Vous savez, c'est quoi l'abîme? C'est une flamme et hop, ça s'éteint. Mais Yaakov, c'est la tristesse. Le troll, tristesse. Profonde tristesse. Oh là là. C'est la tristesse. Oui, on pleure. Et le foie, c'est la colère. On n'en peut plus. Et le foie, c'est quoi? Le foie, c'est la colère. Le foie, c'est... C'est tous les sentiments. Mais c'est les sentiments de début. C'est... Ça, c'est Yosef Hatzadik. Mais Yaakov... Yaakov, tout le temps... Terré, il est enterré, celui-là. Qu'est-ce que tu as? Israël! Il a besoin qu'on fasse quoi, vous savez? On l'allume. Qu'on lui donne de la force, on lui met de l'essence. Pour le stimuler. Oui, il a besoin de ça. Pour le pic. On est tout le temps, il a besoin. Qui lui fait ça? La naissance de Yosef. De Yosef. Quand Yosef a tzadik naît, Yaakov comprend qu'il doit sortir de l'esclavage. Pourquoi? Parce que Yosef, c'est un roi. Il y a deux rois. Il y a Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. On a Yosef et Yehuda. Et vous allez voir que dans la paracha suivante, je pense, ou dans deux parachas, Yosef HaTzadik et Yehuda font exactement la même faute. Avec une femme interdite. Yehuda, il va, comment dire, enlever la laine de ses moutons. Et dans le chemin, il était un peu attriste. Il voit une femme. Son métier est le métier le plus ancien du monde. Il lui dit, combien ça coûte? Elle lui dit, tant et tant. Il lui dit, bon. Elle lui dit, non. Je ne paye pas moi. Tu ne peux pas payer avec Cartis Sacherai. Il sera capable. Tu me laisses quelque chose qui a une valeur. Qu'est-ce qu'il lui laisse, vous savez? Il lui laisse la bague du roi et le bâton du roi. C'est quoi? C'est les signes qu'il y a un roi. Il dit, je vais retourner. Elle va me le redonner, je vais lui donner un mouton. Tout va bien. Il retourne, elle n'est pas là. Qu'est-ce qu'il fait, vous savez?
dans son endroit où il est, tout va bien. Il s'angoisse pas du tout, Yehuda. Après, on lui dit, tu sais, Tamar, elle est enceinte. Qu'est-ce qu'il dit? Brûlez-la. Elle dit, oui, je suis prêt à être brûlée. Mais le père de mes enfants, c'est celui qui a le bâton et la bague. Et vous savez qu'est-ce qu'il dit, Yehuda? Tout simplement, tzatkam imeni, je m'excuse. Et la vie continue. Et alors, tu as emmené un enfant de la fille de ton fils. Vous comprenez? La femme de son fils, il a emmené un enfant. Ça, c'est interdit. Mais les enfants, ils sont là avec nous, tout va bien, il n'y a pas de problème. Yosef Hatzadik, il est en Égypte. La femme de Potiphar n'était même pas sa femme, parce que là, le Rambam Akadosh explique que là-bas, ils étaient hommes avec hommes, femmes avec femmes. Ça s'appelle dans la Torah, mais Salselet, une femme avec une femme, et l'homme avec l'homme. Qu'est-ce qu'il fait, Yosef? La femme, celle qui l'envie. Celle qui lui fait tous les jours les robes et les parfums, Cacharel, Yves Saint Laurent, Gucci, ce que vous voulez. Et c'est elle qui le rend. Et à la fin, il dit, bon, qu'est-ce que je vais faire, hein? C'est énorme, non? Il ne fait même pas la faute. Vous savez pourquoi? Vayar Yosef et Diokan Aviv. Qu'est-ce qui s'est passé? Vaishlach Yaakov Malachim Lefanav. Yosef roe Diokan Aviv. Qu'est-ce qui se passe? Yosef revoit le reflet de son père. L'explication très simple. Et quoi? Yosef a été éloigné de son père. Ils étaient très amoureux. Le père et le fils, ils étaient tout le temps ensemble. Donc c'est quoi la vérité intérieure de Yosef? La volonté de son père. C'est quoi la vérité intérieure de Yaakov? La crainte de son frère. Vous voyez que la personne se fait le reflet. Et quand il voit son père, hop, il s'en va. Il ne sait pas qu'elle va dire qu'il a essayé de faire quelque chose de mal. Pourquoi tu laisses la bille dans ses mains? Tu laisses une preuve, t'es fou quoi. Reprends, mais Yehuda aussi a laissé une preuve. Donc ils ont fait les deux le même parcours. Un doit être puni parce qu'il a été avec la femme de son fils. Aucune punition, tout va bien. L'autre, il n'a rien fait. Il a laissé la preuve. On l'attrape. 10 ans de prison. Ils assument. Ce n'est pas assumer, Rabbanit. C'est vouloir être puni. Et vous savez, quels sont les caractères des gens qui aiment être punis? C'est les Bnei Yosef. C'est les gens qui veulent, par la punition, prouver qu'ils sont innocents. C'est un tikkun. Oui, Rabbanit. C'est les gens qui veulent être punis pour prouver qu'ils sont innocents. Parce qu'après la punition, tu dois être acquitté. Mais ils n'arrêtent pas d'être punis. Yosef a été vendu et revendu. Et encore une fois à la prison. Il y a encore 2 ans de prison. Qu'est-ce que tu as? Pourquoi? Mais il n'est pas responsable. Ben oui, mais c'est ses frères quand même qui ont fait en sorte. Rabbanit, quand il était chez Potiphar, c'est fini, il n'y a plus de frères. Il n'y a plus de frères. Quand il était avec les chameaux, il n'y a plus de frères. Et il reste seul dans le désert, il est obligé de suivre ceux qui l'ont acheté. Mais pourquoi tu te vends? Vous savez à quoi il était vendu, Yosef? Ouais, mais c'est le sel de Saharo. Il est écrit qu'il avait des boucles tellement belles. Tellement beaux. Ils l'ont vendu en quoi? Ah, Parashat Vayigash, il est écrit dans le Midrash, que les frères, quand ils sont venus en Égypte pour chercher Yosef, comme c'était un beau gosse, ils l'ont cherché. Dans les endroits de perdition. Dans les endroits très intéressants. Ils ne l'ont pas trouvé là-bas. Alors ils ont dit, bon, celui-là, il a été ou tué, ou égorgé, ou quoi que ce soit. Ils arrivent. C'est pour ça que Yosef, il a été transformé son visage comme un Égyptien. Quand il est sorti de prison, ils l'ont grasé, ils l'ont tout, et ils l'ont transformé. Panim d'Égypte. C'est quoi les panim? Ça retourne encore une fois. Il s'est approprié la sphère qui l'entoure. C'est pour ça que oui, il y a des gens que l'entourage influence même le trait des visages. C'est vrai ça. Pourquoi? C'est tout ça, c'est une question d'oxygène. Je ne veux pas rentrer maintenant avec vous parce que c'est long et compliqué. Mais l'oxygène nous crée. Toutes les cellules vivent d'oxygène.
Donc l'oxygène rentre dans la cellule, qu'est-ce qu'elle fait? Se gonfle, ou l'oxygène? Et elle crée la forme de la cellule. Yaakov crée la guerre imaginable, imaginaire, avec son frère. Il n'y a pas eu de guerre. Yosef se crée des visages et des punitions parce qu'il pense que son père le voit de loin, mais il se voit lui-même. Alors, cette Torah-là de Bereshit, c'est un livre de morale, ça. C'est court. Oui, c'est le livre qui dit « Derech Eretz Kadma la Torah ». Pour étudier la Torah, tu dois être un être humain premièrement. Et après, tu vas étudier. C'est pour ça qu'il est écrit « Le'olam yeh Adam ». Toujours sois premièrement Adam, être, et après rentre dans les études plus profondes. Et pour être un être, on doit polariser de façon positive, quoi? Nos défauts. Ce n'est pas des défauts, Rabat. C'est des déformations de vision. Si, et je vous dis quelque chose du Ramban, vous savez, le Ramban, c'est un des commentaires sur la Torah. Vous savez qu'est-ce qu'il dit? Il a une lettre qu'il envoie à un élève à lui, qui lui demande comment avoir l'intimité entre un homme et une femme. Il lui écrit là-bas une chose magnifique. Il dit, qui a donné la permission aux êtres, et il s'adresse aux chrétiens, qui disent qu'il y a un membre impur dans le corps humain. Il dit, comment est-ce possible? Puisque Dieu même a créé l'être humain à son image. Ça veut dire que nous sommes un reflet parfait d'une lumière parfaite. Alors pourquoi on se critique? Et le problème est que malheureusement, on se fait des idées qui ne sont pas réelles, on se déforme à ces idées-là, et on regarde dans le miroir, on dit, ah, regarde comme il est déformé celui-là. Et on perd la vie, le temps. Sois qui tu es. Profite de ce que tu es comme tu as été créé. Et non pas comme ceux qui t'entourent veulent te recréer. Et c'est une grande différence entre médecine, lumière et psychologie moderne. Tu dois te déformer pour plaire. Qu'est-ce que c'est cette histoire-là de déformer pour à plaire à qui et déformer devant quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Celui qui m'a créé, quoi, il ne sait pas. Vous savez, dans les livres de Kabbalah, il est écrit que chaque point d'air qu'il y a dans notre corps, point, vous savez, la grandeur, chaque point, il y a une lumière qui est là-dessus, qui fait vivre chaque cellule. Vous savez, c'est quoi la grandeur d'une cellule? Qui fait vivre chaque atome, vous savez, la grandeur d'un atome. C'est 1 mm divisé par 1 milliard. Blianara, c'est grand, non? C'est immense quand tu as un microscope électronique, mais c'est tout petit quand tu as un être humain. Nous, on a le droit de déformer une création divine. Et comment on la déforme? Je vais vous donner une image. Imaginez-vous qu'on a un écran. Et dans l'écran, il y a des points de lumière. Comme l'écran, vous connaissez. Vous savez, l'écran, c'est quoi? C'est des photons, c'est des points de lumière. Et j'appuie un bouton et tout l'écran devient noir. J'appuie un autre bouton, tout l'écran devient blanc. J'appuie un autre bouton, l'écran devient des images. Est-ce que le point qui est illuminé à cet instant-là, est-ce qu'il a changé, lui? Non. C'est le même. C'est pas chaque fois qu'on vous change l'écran, non? C'est le même écran. Qu'est-ce qui a changé? L'électricité qui est connectée à ce point, non? Il y a quatre couleurs. Oui. Et l'électricité fait que beaucoup de courants font la lumière chaude et peu de courants font la lumière froide. Je pose la question, est-ce que le point pixel a changé? Vous avez le même iPhone? Non. Qu'est-ce qui a changé? Le courant, l'électricité. Puisque si vous voulez voir une image
très vous fort. Vous voulez dire c'est l'intensité. Ouais. C'est l'intensité qui change. Qui change. De chaque point. L'être non, humain. L'intensité électrique. Enfin, l'intensité de lumière. Chaque être humain, vous savez qu'est-ce qu'on est? On est un appareil iPhone. Bah oui, on est une pile. C'est la vitalité. D'accord? Maintenant, l'intensité de mes pensées crée quoi? L'énergie. Le reflet de ce que vous voyez. C'est ça. L'intensité de tes pensées ou de ce que tu penses que les gens pensent de toi, c'est eux qui vont faire ton reflet. Ça veut dire à l'inverse, dans le positif, ça veut dire qu'il faut penser quoi alors? Oui. Quand tu es entouré de gens positifs et de gens qui savent te dire tes qualités et non pas toute la journée et les déformations, on sait qu'on a le nuque, on le sait. Ah, khalas, combien on va parler du nuque? Il n'y a rien d'intéressant. Il n'y a rien. Mais devant, ah, il y a là-bas, il y a les perrots, il y a les yeux, il y a le regard. Il y a les sourcils, il y a le front, il y a les joues, il y a la bouche, il y a les dents. Combien la Torah parle du visage de l'être humain? Vous savez combien? Plein. Shlomo Amelech, plein. Panim, Yair Hashem Panav Elecha. La bracha des Kohanim, Panim, le visage. Tout le temps visage. Qu'est-ce que tu veux chez nous et Paro? Ça y est, on l'a compris. Et ça... Yaakov nous explique par son vécu. Vous savez c'est quoi d'être Yaakov? De dire voilà, je vous dévoile mon vécu. Normalement il devait cacher tout ça, c'est pas grande kavod. Mais au contraire, Yaakov dit écoutez, par mon vécu, vous allez étudier la psychologie de l'être. Et c'est pour ça qu'il est écrit Vaishlach Yaakov Malachim Lefanav. Malachim Shelmi, il dit Rashi, Malachim Mamash. Des anges, vraiment, ces anges à lui. La lumière qui sort de nos yeux, c'est elle qui va créer, on dit en Kabbalah, tous les récipients. Qui vont faire quoi? Qui vont faire le reflet des lumières qui sortent des yeux et qui retombent dans les yeux. Dans les yeux. Alors, qu'est-ce que je vois devant moi? Ce que je pense. Ce que je pense. Simple. Il y a une dame, on va faire une petite histoire au milieu. Il y a une dame qui est venue chez moi, elle avait le cancer. Et elle m'a dit, je veux que tu me guérisses sans opération. J'ai dit, il n'y a pas de problème, mais ton mari, qu'est-ce qu'il veut? Elle m'a dit, mon mari ne croit pas à ça, il veut une opération. Vous savez qu'est-ce que je lui ai dit? Fais l'opération. Elle m'a dit, non. Le plus important, c'est la guérison, ce n'est pas l'opération. L'opération, ça prend quoi? Une heure, deux heures, trois heures? Mais après... Il y a une vie entière. Tu veux sortir de cette maladie et toute ta vie, ton mari va te faire comme ça? Non, 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 non. Tu vas être déformé complet. Fais cette opération. Si tu crois à la médecine lumière, l'opération ne peut pas faire de mal. Ça y est, ils ont enlevé, tout va bien. Vous savez qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, tu sais quoi, peut-être le rabbin a raison. On essaie. 30 ans de mariage qui ne marche pas tellement. Il faut chercher quelque chose d'autre. Elle est rentrée dans l'opération. Avec la pensée, je lui dis, quand tu rentres en opération, tu, dans ta tête, tu dis tout le temps, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je fais tout ça pour toi, parce que je t'aime, mon mari. Vous savez qu'il y a des livres qui disent que quand une personne rentre dans une opération, il y a une certaine bracha qu'on fait, une prière, une bracha, qu'on a l'occasion de mourir et revivre. Ça, c'est un cadeau immense. Pourquoi? Parce qu'il y a des sphères qu'on ne peut pas changer la polarité. C'est trop lourd. Alors qu'on va tenir le poids 10 ans, laisse tomber, ça y est. Quelqu'un d'autre prenne le poids. Toi, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait anesthésie générale, c'est comme la mort. Vous savez, elle s'est réveillée. Elle m'a dit, la première chose que j'ai dit quand j'ai ouvert les yeux, j'ai dit, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, 8 fois mon mari. Je dis, pourquoi? Elle m'a dit, parce que pendant toute l'opération, dans ma tête, j'avais seulement cette phrase-là, que je dois aimer mon... Pourquoi je vis? Pourquoi je suis là? Depuis, un couple, on ne peut pas les séparer. La colle, 3 secondes. Bon, sépare-toi un peu. Il ne peut pas se séparer. Pourquoi? Parce qu'elle a recréé une sphère.
que dans cette sphère, son mari est le plus beau du monde. Est-ce que c'est vrai ou pas? À ses yeux. Bien sûr que c'est vrai. Vous rigolez, Rabbanit, c'est écrit dans le Talmud, Masechet Kiddushin. Qu'est-ce qu'il est écrit? Que quand on vient à un mariage, on doit dire Kala Na'a V'Chasuda. Alors les sages disent, à tes yeux, elle est Na'a V'Chasuda, est-ce qu'elle est belle? Non. Ah, pourquoi tu mens? C'est interdit de mentir. C'est écrit dans les 10 commandements. Lot et Shaker. Qu'est-ce qu'ils disent, vous savez? Lot et Shaker. C'est pas un mensonge. Aux yeux de son mari, elle est belle. Pourquoi? Comment? On ne pose pas de questions. Pourquoi on ne pose pas de questions? Il la voit belle. Parce que c'est quoi? C'est pas seulement sa polarité. C'est la deuxième partie de l'ensemble. C'est le bonheur parfait d'être amoureux de sa femme. Ou être amoureux de son mari. C'est le bonheur. Pourquoi? Parce que l'amour, ça c'est soudé avec des atomes et des molécules. Et maintenant, il n'y a pas de problème. Ça bouge. Ensemble. Des fois en haut, des fois en bas, des fois ensemble, des fois en arrière, des fois en avant. Mais ensemble. Et quand on est tout seul, vous savez qu'est-ce qu'ils disent les sages? Quand on est tout seul, on n'est jamais seul. Ça, c'est japonais, on dit à la barté. Ça. On préfère d'être ensemble que d'être tout seul et ensemble avec les marionnettes. Alors, Yaakov Avinu nous dit, j'ai tout fait pour faire quoi? Pour me préparer au pied. Combien de gens, vous savez, en Angleterre, après la Deuxième Guerre mondiale, c'est vrai ce que je vous dis, après la Deuxième Guerre mondiale, ils ont dit que Hitler avait préparé la première bombe atomique. Et les Anglais, toujours ont eu peur de l'Europe. Vous voyez, maintenant, ils se sont encore une fois séparés. Il y a une peur, il y a une phobie des Anglais, comme c'est une île, des îles devant l'Europe, ils ont toujours une peur, une crainte. Alors, ils ont dit que jusqu'aux années 60, la bombe atomique sera déjà au moins une fois appliquée. Comme il y a eu les Américains qui ont jeté sur... Pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils ont eu peur. Vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait? Une phobie en Angleterre, des abris anti-nucléaires souterrains. Il y a là-bas du manger, il y a là-bas de l'eau, il y a là tout ce que vous voulez. Mais ça fait 50 ans que les gens sont dans les abris nucléaires dans leur tête. Mais la bombe atomique, vous savez, il y a aujourd'hui des bombes beaucoup plus efficaces. Alors dites-moi quelque chose. Des gens qui sont rentrés la phobie de l'abri nucléaire, et ils vivent encore avec nous. Ils vivent ou pas? Les pauvres, combien déjà ont fini leur vie? Comment ils ont fini leur vie? La conscience dans un trou noir en dessous de la terre. C'est pas une phobie, ça. Au lieu de dire aux gens, tout va bien, il y a la paix, s'il y a des petits attentats, des petits trucs, c'est la vie, on ne peut pas les éviter. C'est tout. Vivez votre vie. Sortez des phobies. Et là, Yaakov nous dit... Comment ça se fait que Yaakov, avec toutes les phobies qu'il avait, avec toutes les peurs qu'il avait, qu'il est passé au travers? Oh, pas au travers. Il a réussi à surmonter. C'est ça la beau... Oui. C'est ça ce qu'est Moshe Yaakov. Que ce Yaakov-là... Qu'il n'a pas manifesté ça. Parce que... Pourquoi? Son frère, il l'a pas tué, il n'a pas voulu le tuer. Non, Rabbanit, écoutez le problème. Le problème, c'est que Yaakov avait peur de Esav. Oui. Mais en effet, Esav n'avait rien à faire avec lui, ils se sont foutus d'eux. Okay. S'il voulait le chercher, comme Yaakov est venu en Eretz Knan, quoi, Esav ne pouvait pas aller chez Lavan, qu'est-ce que je tue? Quoi? Il y a seulement, on l'allait comme ça, il n'y a pas. C'est la preuve que Eliphaz l'a trouvé là-bas, alors. C'est dans ma tête que ça se passe. Il avait une phobie. C'est pour ça que c'est écrit les fanav. C'est quoi les fanav? Panav. Devant son visage, il a créé une phobie. Et il a eu comme un écran devant lui. Et ça avait devenu un monstre. Mais ça avait ton frère jumeau. Quel monstre? La même chose. Et après, qu'est-ce qu'il dit? Vayera Yaakov me'od. Yaakov a eu très très peur. Vayetzer lo, il sait, etzer, c'est quoi? Il s'est
compressé lui-même. Va yachat cetam. Tellement il s'est compressé, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est divisé en deux. Parce qu'il écrit Vayetzer, Vayachatz, Mazechatz, Mechetzi. Qu'est-ce qui se passe quand je plie quelque chose très 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 fort à la fin? Qu'est-ce qui se passe? Je le déchire. C'est ce qui s'est passé avec Yaakov. Il a eu tellement peur que tout son troupeau s'est déchiré en deux. Il a eu la force de la séparation qui s'est un peu impliquée. Et la séparation, c'est le sitrach. C'est pas le bien. Quand on veut le bien dans la vie, on doit être uni. Quand on veut le mal, on doit être séparé. C'est pour ça que même dans la Haggadah de Pessah, qui est le jour de la délivrance du peuple d'Israël, Hakadosh Baruch Hu dit, mets les quatre fils ensemble. Le sage, le méchant, le... ensemble. Quand on est à Sukkot et on a la Shrina, on a la présence divine, Hakadosh Baruch Hu dit, mets ensemble les quatre. C'est qui? Encore une fois, le sage, le mauvais, le... ensemble. C'est quoi ensemble? C'est nous. Nous, on doit s'aimer l'ensemble de nous. On a les côtés négatifs, on a les côtés positifs. Mais ça, c'est un ensemble. Si on est seulement positif, on meurt. Et c'est pour ça que les sages disent qu'on ne peut pas atteindre le degré d'Abraham, qui était seulement la miséricorde, et le degré de Yitzhak, qui était seulement la rigueur. On ne peut pas vivre ça. Nous, on est quoi? On est Yaakov, Bnei Israël. C'est quoi Israël? Polarité positive Israël, polarité inverse Yaakov, je ne peux pas dire négatif, rassurant sur mon père triarque. Et, hop, une sphère. Quand on a la permission d'être une sphère entière, on a la permission de vivre. C'est le commencement de la vie. Et ça, ça s'appelle en anglais « to be aware »,« mazawad », »,« conscient ». Réveille ta conscience. Comprends dans quoi tu vis. Quelle est la sphère dans laquelle tu existes. Et commence ta vie. C'est comme la boule de neige. Tant qu'il n'y a pas la première boule, on n'a pas la grosse boule. Les gens disent la boule de neige, ce n'est pas une bonne métaphore. Ils n'ont pas raison. La boule de neige, c'est exactement ce qui se passe avec l'être humain. Une petite boule. Et commence un déroulement. Elle descend. Elle grandit. Qu'est-ce qu'il y a devant? Non, elle écrase quelqu'un. Ça, c'est vous qui dites. C'est les gens qui disent, ah, les boules de neige, ils tuent. Non, les boules de neige ne tuent pas. Les boules de neige, c'est très joli. Pourquoi tu t'es mis dans sa voie, dans ce chemin? Tu t'es mis dans son chemin. Malheureusement pour toi. Mais si tu n'es pas dans son chemin, tu regardes de côté. C'est très très joli, une boule de neige. C'est la même chose, l'être humain. Quand il est, tout le monde, oh, comme c'est magnifique, comme il est beau, bien. Pourquoi quand il grandit, on dit, fais attention de lui, ça c'est un escroc, aïe, 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 fait. C'est le même qui était dans le... quand on l'a bercé, ou pas le même? Oui, c'est le même. Alors pourquoi maintenant tu parles du mal de lui? La sphère a grandi. Maintenant, on voit le négatif et le positif. Et maintenant, on n'est pas content du négatif. Vous avez raison. Eh bien, tourne la sphère. Et tu vas voir le positif. הוא היה אומר לי, בבית שלי יש מלאכים, לא רוצה לצאת מהבית.